Dans cette capsule vidéo, on va voir la notion de coupure, qui est en fait un mécanisme qui va permettre de gérer la résolution en prologue. Pour ce faire, on va s'attarder principalement sur le branchement et la marche arrière, ou encore backtracking. Ensuite, sur le contrôle de l'exécution en utilisant la coupure, puis on va finir par l'exercice mettant en pratique ces deux notions-là. Donc, pour parler de branchement et marche arrière, il est nécessaire de s'attarder sur la récursivité qui est en fait très utilisée en prolog. Donc, en général, lorsqu'on définit un prédicat, on va le définir en utilisant la récursivité. Donc, lorsqu'on l'utilise, en fait, on fait appel à deux mécanismes fondamentaux qui sont le branchement et le backtracking. Donc, le branchement, c'est simplement le fait de diviser un problème en sous-problèmes. Et la marche arrière, c'est de pouvoir revenir sur ces problèmes pour les exécuter et terminer l'appel récursif. Dans la plupart des cas, ces mécanismes sont gérés à l'aide d'une pile dans le système. Dans le prologue va se construire une pile d'exécution, puis il va exécuter ces instructions-là une par une. Et on peut donc représenter tout ça ou l'espace des appels à l'aide d'une structure arborescente. Donc, par exemple, si vous vous souvenez, à la première, au cours 6, je vous ai présenté ces tables-là. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un arbre de résolution. Donc, lorsque on veut résoudre un but, lorsque Prolog veut résoudre un but, il va se construire un arbre de résolution comme ceci. Donc, c'est cette structure arborescente que Prolog va faire du backtracking. Dans le backtracking, c'est simplement d'explorer une branche, puis de revenir pour explorer les prochaines branches. Il va faire une marche arrière pour explorer toutes les solutions possibles. Donc, le backtracking, en gros, permet l'exploration d'autres possibilités en cas d'échec ou si l'on veut trouver d'autres solutions. En fait, simplement, si je reprends cet exemple, lorsqu'on a trouvé la première solution qui se trouve la plus à gauche, lorsqu'on fait un point-virgule en prologue, c'est justement pour lui demander d'aller chercher la prochaine solution, c'est-à-dire le prochain nœud dans notre arbre de résolution. Donc, la prochaine solution par backtracking, ensuite la prochaine solution par backtracking, puis la prochaine solution par backtracking. Cette méthode est presque hors du contrôle du programmeur, c'est-à-dire c'est Prolog qui s'occupe de faire le backtracking. L'utilisateur n'a vraiment pas la main sur l'ordre dans lequel Prolog travaille sur l'arbre. Par contre, l'utilisateur peut avoir la main sur l'ordre dans lequel les instructions sont présentées, parce que selon l'ordre que vous allez définir vos prédicats, l'arbre sera différent. Donc, si j'avais inversé la ligne 1 avec la ligne 2, ben, ce qu'on aurait eu ici, ça ne serait pas QR, mais ce serait T. Et ici, on aurait eu QR. Donc, ces deux branches auraient été inversées. Et comme je disais tantôt, l'ordre des prédicats et des clauses ont une influence sur l'exécution. Pour mettre en pratique ces deux notions-là, on va s'attarder sur le problème de la monnaie. Donc, en fait, l'idée du problème, c'est que on a un montant d'argent et on veut pouvoir former ce montant d'argent à l'aide d'un certain nombre de monnaies, un certain nombre de devises. Donc, par exemple, si on nous donne un montant qui est 46,35 $, l'idée, c'est de savoir quelle devise possible je peux former ce montant-là. Par exemple, au Canada, on a les billets de 100 $, de 50, de 20, de 10, de 5, puis des pièces de 2, 1, 50 sous, 25 sous, etc. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut former ce montant-là en utilisant le moins de pièces ou de billets possible. Par exemple, le 46,35 $ donnerait deux billets de 20 $, un billet de 5 $, une pièce de 1 $, une pièce de 25 sous, puis une pièce de 10 sous. Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que cet exemple-ci qui donne 6 pièces est un nombre minimal de pièces possible ou pas. Donc, ça s'implémente facilement en prologue, comme ceci. Donc, l'idée, c'est de pouvoir définir
tout d'abord les devises possibles. Donc ici, pour éviter de manipuler les flottants, ce qu'on va faire, c'est multiplier par 100 chacun des montants. L'idée, c'est de pouvoir avoir un 5 ici au lieu d'avoir un 0,05. Donc, pour représenter mes devises, je vais définir un prédicat ou un atome de nom devise. Puis, à l'intérieur, je vais rentrer la liste de mes devises. Donc, comme j'ai dit tantôt, on multiplie chaque devise par 100. Donc, la première devise sera 100 $ qui correspond à 10 000. 50 $, 20 $, 10 $, 50 $, 5 $, 1 $, 5 sous, 25 sous, 10 sous, puis 5 sous. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir représenter cette devise-ci à l'intérieur de ma liste ici. Donc, ensuite, comment est-ce qu'on va donc trouver le montant de pièces possible pour pouvoir avoir ce montant-là? On veut le montant minimum. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord aller chercher comment calculer le total de pièces possible. Ensuite, on va chercher comment déterminer le montant, le nombre total minimum minimal de pièces possibles. OK. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je me définis un prédicat que je vais appeler monnaie, qui va prendre trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le montant sur lequel je vais travailler. Donc, c'est le montant que je cherche à découper en pièces, en devises. Le deuxième paramètre, c'est l'ensemble des devises, l'ensemble des devises sur lesquelles je dois travailler. Puis, le troisième paramètre, c'est la liste des pièces ou des devises possibles. Donc, si mon montant est zéro, donc si on me donne zéro, dans la liste des devises possibles est zéro. Donc, avec 0 $, j'ai zéro devise. Ensuite, si j'ai un montant M, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des devises à son tour, dans chacune des devises que j'ai là, puis calculer dans cette liste-là, quelle quantité il me faut de cette devise-là pour construire mon montant M. Donc, P ici va correspondre à la quantité de devise D qu'il me faut pour avoir M. Donc, premièrement, je vais m'assurer que le montant est supérieur ou égal à 0, parce que si le montant est inférieur à 0, ça ne vaut pas la peine d'aller faire le calcul. Puis, je vais calculer le nombre de pièces ou le nombre de devises que j'ai. Le nombre de devises D que j'ai dans M. Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai un montant de 10 $ et que ma devise, c'est 5 $, à ce moment, mon nombre Pmax sera 2. Donc, combien de fois j'ai D dans M? Donc, Pmax, ici, c'est le quotient de la division. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, puisque l'idée, c'est de trouver toutes les combinaisons possibles de devises pour un montant spécifique, je vais donc utiliser le prédicat between. Je pense que je l'ai vu vaguement dans le cours 7, mais je vais revenir là-dessus. Donc, si je vais dans suis PL, j'y suis déjà. En fait, le prédicat between va prendre trois paramètres. Dans le premier, qui est la valeur minimale de l'intervalle, le deuxième, qui est la valeur maximale, puis un troisième argument qui est une variable qui va prendre chacune des valeurs se trouvant entre 0 et 3, inclusivement. Donc, par exemple, si je demande between 0, 3x, ce qui me retourne, c'est 0 dans un premier temps, 1 dans un deuxième temps, 2, puis 3, finalement. Donc, c'est un prédicat qui fait une sorte d'énumération à l'intérieur d'un intervalle. Donc, ici, simplement, ce que j'ai dit, c'est que je vais, pour chacun des intervalles, pour 0, enfin, lorsque j'ai trouvé la valeur Pmax, qui est le nombre de fois de devise maximale D que je peux avoir dans M, ce que je vais faire, je vais itérer sur ce nombre maximal-là.
Donc, si j'ai P max égal à 2, ça veut dire que P va avoir les valeurs 0, 1, puis 2. En fait, l'idée, c'est simplement de pouvoir trouver toutes les combinaisons possibles de devises pour former le montant M. Donc, ici, P va avoir 0, 1, 2, 3, selon la valeur de P max. Ensuite, une fois que j'ai fixé la valeur, le nombre de fois que j'ai besoin de la devise D dans mon processus, donc ce que je vais faire, c'est aller chercher dans la prochaine devise pour pouvoir calculer mon montant. Donc, ça veut dire que pour faire ça, je vais prendre mon montant initial, puis à ça, je vais soustraire la devise fois le nombre de fois que j'ai considéré cette devise-là. Ça veut dire que si j'avais mon montant 10 $ et que mon D était 5 $, alors P max devait être équivaut à 2. Et de 0 à 2, ma première valeur de P, c'est 0. Donc, ça veut dire qu'au départ, je vais considérer que je n'utilise pas le 5 $. Donc, je vais aller chercher dans les prochaines devises qui sont 25, pas 25 sous, mais 1 $, 50 sous, 25 sous, 10 sous, puis 5 sous. Donc, pour faire ça, il faudrait que j'élimine la quantité de devises que j'ai déjà considérées. Or, ici, dans un premier temps, mon P, il sera égal à 0. Donc, ça veut dire que mon montant va rester intact. Par contre, si j'avais considéré P égal à 2, ce qui signifie que j'aurais pris deux fois la devise de 5 $. Alors, en faisant mon montant 10 moins 2 fois mon 5 $, ça me fait 0. Donc, à ce moment, j'ai mon montant égal à 0 et j'aurais plus besoin d'aller chercher les autres devises puisque le montant sera égal à 0. Et je fais ça de façon récursive. Donc, une fois que j'ai le nouveau montant, je m'en vais chercher les autres devises correspondant à ce montant jusqu'à ce que j'atteigne le cas de base où le montant est égal à 0. Et à ce moment, je retourne la liste vide. On va faire un essai avec ça. Donc, j'ai mon code ici, qui est exactement ce que je viens de vous présenter. Je vais simplement reloader mon fichier. Si par exemple, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple de ici, 46,35 $. Donc, par exemple, je peux faire monnaie. Vu que je travaille avec les cents, donc ça va faire 46,35, donc 4635. Devises, donc comment est-ce que je peux avoir la liste des devises? Je vais simplement faire devises, vu que j'ai déclaré un prédicat qui s'appelle devises, et je vais récupérer la liste des devises dans D. Et c'est ça que je vais passer en paramètre à monnaie ici. Et ce que je veux, c'est la liste des devises qu'il me faut pour former le montant 46,35 $. Donc, ici, on voit que pour le montant 46,35 $, j'ai besoin de 927 pièces de 5 sous. J'ai également ça, une autre façon, une autre combinaison possible, c'est 925 pièces de 5 $ et une pièce de 925 pièces de 5 sous, puis une pièce de 10 sous, ainsi de suite. Donc, avec un point virgule, on peut explorer toutes les solutions possibles. Ce qu'on peut constater, c'est que pour ce problème d'optimisation, on voit que la solution qui est générée n'est pas tout à fait optimale. Donc, on voit que le nombre de pièces qui nous est proposé est très supérieur. Par exemple, ici, on a un total de 927 pièces. Là, on a un total de 926 pièces. Là, on a un total de 925 pièces. Là, on a un total de 924 pièces, etc. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut modifier ce programme-là pour pouvoir énumérer tous ces montants, mais plutôt dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre, je dirais, pas décroissant, mais parce que là, on le fait déjà dans l'ordre décroissant, mais c'est plutôt dans l'ordre croissant. Donc, comment est-ce qu'on pourrait énumérer ces montants dont les pièces sont dans l'ordre croissant? Parce que pour l'instant, l'ordre est décroissant. Donc, on va du nombre de pièces le plus grand au nombre de pièces le plus petit.
Donc, pour faire ce changement-là, je vais déclarer un autre prédicat ici que je vais appeler monnaie croissant. Monnaie croissant. Puis ici, monnaie décroissant, qui est le code se trouvant dans la diapositive. Donc, monnaie décroissant, monnaie décroissant. Donc, pour ce faire, en fait, si vous avez bien remarqué, c'est que lorsque je fais between ici, ce que je fais, c'est que je commence avec un P égal à 0. Donc, ça veut dire que pour les premières devises qui sont élevées, ben, au départ, je vais les considérer comme étant 0. Ça veut dire que si j'ai un montant, je reprends mon exemple de tantôt, si j'ai un montant égal à 10 dollars, alors mon P max égale, juste avant de continuer, en fait, ça c'est la division entière, c'est équivalent à écrire un div ici. Donc ça vaut la même chose de faire un div là, puisque c'est une division entière. Le quotient sera un entier. Donc si j'ai un M égal à 10 dollars et que mon D est égal à 5 dollars, alors mon P max sera égal à 2. Et mon P va prendre les valeurs 0, 1, puis 0, 1, puis 2. Donc ça veut dire qu'au départ, si P prend 0, alors on va se retrouver avec un M1 égal à M, qui est égal à 10. Et on va aller calculer la monnaie de M1, qui est égal à 10. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir D comme étant 5 dollars, on va avoir D comme étant la prochaine devise, c'est 1 dollar. Donc, on voit que au lieu d'utiliser la devise 5 dollars, on l'a ignorée pour aller utiliser une devise plus petite, ce qui va engendrer un nombre de devises beaucoup plus grand. Donc, pour changer ça, c'est monnaie croissant ici. Je vais inverser. Donc, au lieu de commencer par 0, je vais commencer par le P max. Donc, je vais me créer un P1 qui est égal à P max moins P1. Donc, ça veut dire que, et ici je mets un P, et ici je mets P1. Donc, ça veut dire qu'au départ, au lieu d'avoir 0, ben, j'aurai un P1. Ça c'est P, ça c'est P. Donc au lieu d'avoir un P égal à 0 au départ, j'aurai un P qui est égal à P max. Dans le cas du 10 dollars, mon P max sera 2 et mon P1 sera 0 puisque between va commencer à 0 jusqu'au P max. Donc je vais me retrouver avec un P égal à 2 au lieu de P égale à 0, si je suis dans le cas où ma monnaie, encore une fois, c'est 10 dollars et mon P max, c'est 2 avec une devise égale à 5 dollars. Donc à ce moment, au lieu d'ignorer la devise 5 dollars, je vais plutôt la considérer dans mon calcul. À ce moment, j'aurai donc un montant de devise dans l'ordre croissant et non dans l'ordre décroissant, donc du plus petit au plus grand. On va tester ça. Ensuite, je fais un make pour reloader mon code. Là, j'ai. Ah oui, il me faudrait des croissants ici également. Ok. Donc, si je fais mon test de tantôt avec monnaie croissant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nombre de monnaies n'est plus 900 et quelques. Là, j'ai 2 plus 1 qui est 3, plus 1 qui est 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Et ainsi de suite, dans le nombre de monnaies, après 2, 3, 4, 5, 6, encore 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on voit que le nombre de monnaies augmente au fur et à mesure. Et là, on peut voir que le nombre minimum
de pièces requises pour former le montant 46 $ 35 est celle-ci, qui équivaut à 0 billet de 100 $, 0 billet de 50 $, 2 billets de 20 $, 0 billet de 10 $, 1 billet de 5 $, 1 pièce de 1 $, 0 pièce de 5 sous, 1 pièce de 25 sous. Non, je crois que je me suis trompée. 0 $ de 100 $, 0 de 50, 2 de 20, 0 de 10, 1 de 5, 1 de 1, 0 de 50. Je pense qu'il y a un petit problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Mon nombre de pièces ne semble pas concordé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, c'est correct. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi est-ce qu'il me donne 9 au lieu de 10? On va faire la trace. Donc, si je fais trace de mon code de tantôt, donc on a devise, non, c'est entrée, désolé. Donc devise, je vais remonter ça juste un petit peu pour avoir. Ok, on va faire un W pour afficher tout le contenu. Donc je récupère la devise, je vérifie est-ce que 4 635 supérieur à 0. Ensuite, je continue.